Et c'est le moment de retrouver dans Plan Culte notre invité de la semaine, et j'ai presque envie de dire nos invités de la semaine, parce que Camille Thomas, l'une des étoiles montantes de la scène classique, est venue accompagnée de son violoncelle, un Stradivarius de 1730 qui va venir faire vibrer les murs de l'hôtel Solvay. C'est un grand moment qui nous attend tout de suite. La musique commence là où les mots s'arrêtent. Alors tendez l'oreille et laissez-vous envoûter par le talent à l'état pur de Camille Thomas, jeune violoncelliste franco-belge qui interprète aux quatre coins de la planète les plus grands de notre répertoire classique, de Camille Saint-Saëns à Philippe Glass. Baignée dans la musique depuis l'enfance grâce à ses parents, Camille découvre pour la première fois le son du violoncelle alors qu'elle n'a que 4 ans. La particularité et l'intensité de l'instrument, rappelant celle d'une voix humaine, provoquent chez elle une véritable révélation. Camille étudie la musique en Allemagne pendant 10 ans. Rapidement, son talent se remarque. Alors qu'elle commence à jouer dans des salles prestigieuses, elle fait sa percée internationale en 2014 lorsqu'elle est sélectionnée dans la catégorie Révélation soliste instrumentale aux 21e victoires de la musique classique. Après 2 premiers albums remarqués, elle entre dans l'histoire en 2017 en signant avec le célèbre label classique Deutsche Grammophon, devenant ainsi première femme violoncelliste à intégrer cette maison de disques. Son nouvel album Voice of Hope, sorti en 2020, est entièrement enregistré au Studio 4 à Flagey avec le Brussels Philharmonic. On y retrouve une pièce centrale, le concerto Never Give Up, composé spécialement pour elle par le pianiste Fazil Say. Je considère que la musique est porteuse d'espoir, que la musique élève, qu'elle peut consoler. Cette croyance, c'est quelque chose que Fazil Say partage. Un cri musical émouvant en réponse aux attentats du Bataclan et d'Istanbul. L'album, véritable chant d'espoir et de paix, pousse à trouver la force de surmonter les moments les plus sombres de notre époque en rappelant l'existence de la beauté. Un enregistrement qu'elle a pu réaliser sur un instrument rare autant que précieux, un authentique Stradivarius datant de 1730. Touchée par l'immense solitude dans la culture pendant le confinement, Camille Thomas lance en 2020 le projet de faire voyager le public à distance à travers des morceaux emblématiques qu'elle joue dans les plus beaux musées de France et de Belgique. Virtuose rayonnante et technicienne multi-récompensée, Camille se donne à la musique à cœur ouvert et fait souffler un vent nouveau sur la musique classique en nous faisant vibrer par son langage universel. Et nous voilà devant ce tableau signé Théo Van Rysselberghe, La lecture dans le parc, avec Camille Thomas. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors vous avez fait exprès d'être assortie au spectre des couleurs de Van Rysselberghe ce soir? Oui, j'ai choisi une tenue camouflage. Oui, oui, vous êtes à deux doigts de vous fondre dans le décor ici. Exactement. Disparaître dans le décor, dans un si beau décor, c'est pas mal. Et c'est un lieu que vous aviez envisagé justement pour votre série de vidéos dans les musées? C'est un lieu que j'adore et dans lequel j'avais rêvé jouer effectivement. Et donc grâce à vous, bah, le rêve devient réalité. C'est génial. Parce qu'on va vous entendre dans quelques instants après l'interview. Vous allez réveiller un petit peu ce lieu, comme vous l'avez fait dans plein d'autres endroits. On peut citer le musée d'histoire naturelle de Paris, le musée du Louvre. C'est un projet que j'ai commencé en juin dernier, à un moment où la vie a repris après ce premier confinement. Mais les concerts étaient toujours interdits, les musées étaient toujours fermés. Et moi, je brûlais du désir de continuer à créer de la beauté, de continuer à partager l'art. Et je sentais extrêmement fort ce besoin déjà pour moi de voir de l'art et de partager la musique. C'était un moment inoubliable. Et pour vous, justement, ces grandes œuvres classiques ne sont pas du tout des œuvres du passé. Oui, ce sont des œuvres qui parlent des sentiments d'aujourd'hui, qui parlent de l'amour, de la mort, de la joie, de la tristesse. Ce sont des œuvres qui juste subliment notre condition humaine et qui parlent directement à l'âme. Et je pense que si je joue encore aujourd'hui des œuvres de Bach, de Beethoven, c'est pas parce que ce sont des œuvres anciennes, périmées,
abîmées, démodées. Ce sont juste des œuvres qui ont traversé les siècles parce qu'elles sont si puissantes et parce qu'elles sont toujours justement aussi actuelles. D'ailleurs, vous avez dit très simplement que pour vous, la musique classique ne doit pas être réservée à un public vieux et riche, qu'elle doit pouvoir être accessible à tout le monde. Oui. Est-ce que justement, ce projet vidéo peut être aussi un peu un appel pour un plus large public ? Tout à fait. C'est vrai que je pense que la musique classique a sa place aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, il y a énormément de personnes en fait, qui découvrent ma musique là et qui viennent ensuite en concert et qui ont l'expérience du concert et qui ensuite sont acquis à la musique classique. Et là, c'est, pour moi, une victoire. C'est une victoire. Un petit peu de votre instrument, le violoncelle. Vous avez la chance de jouer sur un violoncelle Stradivarius Feuermann de 1730. Donc oui. C'est une pièce de musée aussi qui vous a été prêtée. C'est quand même une relation aussi particulière qui s'installe. C'est presque un ami, un compagnon de route. C'est une partie de moi-même. Il m'est prêté par la Nippon Music Foundation et c'est merveilleux qu'il y ait des gens assez fous pour prêter déjà quelque chose d'une valeur aussi inestimable. Oui. C'est surtout un partenaire en fait sur scène. Moi j'ai l'impression que le violoncelle en fait m'inspire et que je suis juste un instrument à son service. Moi je dois essayer C'est faire. C'est lui qui joue de vous en fait. C'est un peu ça. Et justement on va avoir la chance de l'entendre résonner ici. On vous laisse le temps d'accorder votre violoncelle et puis on va s'intéresser à tout ce qui se fait de beau en Fédération Wallonie-Bruxelles avec l'agenda culturel de la semaine.